Dans cap haïtien gen 3 bandits qui t'ap circulé sur motocyclette qui criblé en babal hier soir dans Riel Nazon Jean Kenel Sévet qui gen 43 l'année gen 5 l'autre monde qui zoti blessé pendant attaque ça Jean Route Paul Jean Kenel Sévet environ 43 ans recevoir cette cartouche avant de mourir sous place mettait à coup petit 5 l'autre monde qui blessé avec balle tout dans soirée mardi 23 juin 2020 bon 8h30 comme ça ces trois individus personne monde pas arrivé identifié qui t'ap circulé sur motocyclette qui commet des actes criminels ça yo dans Riel Nazon en face ancien local ciné refuge là qui n'a mitan ville Cap-Haïtien c'est madame victime nan qui confirme nouvelle là dans micro radio vision 2000 n'a précisé bandio criblé Jean Kenel Sévet ak bal devant porte la caille même dans moment t'a parlé avec une voisine ni qui sauvé de justesse avant bandio gantan changer chargeur et puis tirer en pile cartouche pour courir quitter Riel Nazon prend route nationale numéro 1 pour chaper pour lio et c'est dans moment ça cinq autres moun yo t'ai rencontré sous passage recevoir cartouche pa yo pour qu'on y a là Jean Kenel Sévet qui c'est un boss mécanicien a gelé dans morgue alors que 5 autres monde qui blessé yo a prend soin car nécessité dans l'hôpital qui gagne dans département noir Jean Kenel Sévet qui chappé pendant pour pipiti deux fois déjà en bas acte tentative assassinat finalement mouri même jour li fin enterré papal Kenel exam yo pas arrivé identifié té assassiné tout semaine passée divers citoyens qui a fait commentaire sur fusillade qui fait nazon parler de règlement de compte au lieu de insécurité ordinaire yo dit qui t'a frappé boss mécanicien en tout cas la police sous Bhopal annoncé gagne une enquête qui ouvert pour tenter identifier et puis jouer en bacode trois présumés criminels qui commettent forfait yo. Jean-Route Paul Cap-Haïtien Vision 2000. Et parallèlement Jean-Route de la police dans le département sud pays a mis en bacode 144 personnes pendant plusieurs opérations qui menaient sur 13 mai pour 24 juin. Mounsa a gagné diverses accusations qui pesaient sous deux parmi eux. Homicide, assassinat, tentative, assassinat, vol, armée armée, viol, association malfectée, avec trafic illicite stupéfiant en Saint-Jean-Louis. Direction départementale sud police nationale là présenté bilan ensemble opération yo mené sorti 13 mai pour arriver matin mercredi 24 juin 2020 ça dans quatre bilan mensuel ça institution police là metté en bas code 144 individus pour différents chefs d'accusation tant kou homicide viol moun kap volé ak zam moun kap assassiner moun ak sila yo kap tenter assassiner moun pour association malfectée ak pour trafic drogue service circulation police là dans même période là enregistré 24 cas accident circulation qui voyait dans pays sans chapeau 4 chrétiens vivants porte-parole PNH sud là inspecteur Pierre Yves Lesage qui t'a fourni information ça avec la presse remercier population sud là pour bon genre collaboration les dit qui existait entre eux-mêmes à institution la police arrêté 144 monde qui sont baisse de 0.64% et dans 144 on a 67 qui a été avec mandat et 77 arrêté sous flagrant délit. Du date du 13 mai au 13 juin. Et concernant un vol de moto qui a une baisse considérable, la police a arrêté deux mondes. Et pour les cas de viol, il y a 5 mondes qui a arrêté comparativement à mois passé à et il y a 7 et une baisse de 0.2%. Et monde qui a arrêté pour association de malfaiteurs. Nous avons Delima Watson, Bettina Capel, qui a 25 ans, qui a été comati. Fok nous souligner comparativement à deux mois passés, yo, moun capable remarquer activité criminelle yo gagne une baisse considérable pendant mois mai ak mois juin ça pour inspecteur Le Sage, c'est un résultat qui baille après une synergie entre force police là et puis la justice dans zone nan. Il y a réseau national cap défend droit moun RNDDH mandé pour en place sa poule pas continuer protéger nèg exam qui a touyé moun dans différentes massacres ou bien attaques dans quelques quartiers défavorisés tant que Pont Rouge, Chancerelle, La Saline à Tokyo à Fort Dimanche pendant mois mai 2 qui sont passé là pendant attaque ça gagne 34 moun qui perdit la vie parmi eux 3 timoun 6 femmes 8 moun qui sont blessés en babal alors que 98 kaya qui boule et selon RNDDH. N'ap suivi ensemble. Pont Rouge, Chancerelle, La Saline dans Tokyo ak Fort Dimanche, habitants dans zone sa ou passé en pile mauvais moment en bas mes bandits pendant mois mai 2020. Selon un rapport réseau national cap défend droit moun yo, gen au moins 5 machines police nationale là qui ont été utilisées pour être capable transporter présumé ou te attaque sa yo. Gen quelques habitants dans quartier ça qui mouri ou bien blessé en babal, en bas coup de machette
Koutroche, ak Blok, en bas men groupe gang qui gen en tête li, Serge Alexis alias T Junior, Iska Andris, ancien policier Jimmy Cherizi alias Barbecue, Mathias Saint-Ilac Mikanor, Altes, tout moun connaît sous nom Monel Félix alias Wa Mikanor. Marie-Rosie Auguste du Sénat, c'est responsable programme ak plaidoyer dans RNDDH, l'a retourné sous feu. Gagné au moins 5 blindés police nationale d'Haïti qui t'a monté descend à déposer bandi et bandi yo te gagné dans tube avec bonbon gaz lacrymogène que voyez d'abord dans zone yo pour forcer population yo quitter caillou. Bandi yo tiré sou yo grain par grain tant kou yon scène de chasse à l'homme et gagné dans bandi yo tout qui te gagné dans main yo arme blanche. Pendant attaque ça yo gagné 34 moun ki mouri, gen 8 lot ki soti blessé en babal, alors que gen presque yon centaine kay ki boule, toujours selon rapport RNDDH la. Nous apprenons que gen 34 moun ki mouri, gen 8 blessés, gen environ 98 kay ki boule. Si nous kwe Marie Rosie Auguste du Sénat, tout attaque sa yo montre volonté président Jovenel Moïse pour contrôler quartier sa yo pou kapab rete sous pouvoir. Militant droit moun nan te rekeyi nan sans sa témoignage kek moun nan zone sa yo. Attaque yo d'abord yo vini côté pouvoir qui en place là. Nous rencontrer avec ex-député Pierre Lumière qui dit nous que c'est parce que président Jovenel jodi a gagné volonté pour li contrôler zone yo à des fins électoralistes. Même l'autre moun qui habite dans zone nan tout accepté tel ça yo présenté même tel ça. Cependant, faut que nous dit tout que gen pile l'autre moun qui dit que ex-député Pierre Lumière fait partie de problème nan tout parce que cousin Gabriel Jean-Pierre alias Ti Gabriel, li se chef gang nan Brooklyn. Parallèlement avec attaque sa yo, RNDDH kwè se yon bagay ki vraiment préoccupante lorsque gen nouveau chef gang ki installé koyo nan différents quartiers nan capitale la. Yon autre côté Marie Rosie Auguste du Sénat dénoncé création coalition bandi Genef en famille ak allié ki gen nan tête li parmi l'autre ancien policier Jimmy Cherizier alias Barbecue. Enquête que nous tap mené sou dernier événement sa yo fait nous comprendre l'autre bagay. Gagné 9 nouveaux chefs gang qui installés et c'est Serge Alexis alias T Junior, Mikanor Altes alias Wa Mikanor et Jimmy Cherizier qui installé nouveaux chefs gang sa yo dans différents quartiers qui tombé dans main yo. Nouveaux chefs gang sa yo yo installé dans Chancerel, dans Tokyo, dans Delma 2, dans Bel Air, dans Badelma 4, dans Robel Delma 4, dans village La Paix, dans Fort Dimanche avec dans Bois d'Homme. Parallèlement gagné G9 là qui créé. G9 montré plus gros pouvoir dans façon que li imposé Franz Ideris comme responsable dans caisse assistance sociale. Réseau national cap défendre droit moun yo cité 5 nos policiers qui t'a dans tête langue avec Jimmy Cherizi alias Barbecue. Nous t'est rivé joindre des informations précises sous des connivences des policiers gagné avec Jimmy Cherizi alias Barbecue. Parmi yo Gary Sanon, li sorti dans 13e promotion, li t'est dans Udmo. Li te impliqué dans massacre la Saline. Nous gagnons David Diveran, 24e promotion. Li même li là pour faciliter déplacement Jimmy Cherizier et li te impliqué tout dans massacre la Saline. Nous gagnons Luxon de Sous. Li te dans 24e promotion la police là. Li affecté dans USGPN. Des fois li joue rôle de chauffeur à Jimmy Cherizier alias Barbecue. Nous gagnons Alain Boyer qui li même te dans 18e promotion. Li fait partie de Udmo. Li te participé dans opération Grand Ravine nan bon côté Jimmy Cherizier alias Barbecue en 2017. Et nous gagnons enfin Mackenzie Cantave qui lui-même sorti dans 22e promotion et qui fait partie de Udmo. Devant constat ça yo RNDDH recommandé autorité concernée pour suspendre protéger groupe qui gagne zam nan men yo. Mené enquête sous lien qui gagné entageant PNH là avec groupe qui gagne zam nan men yo. Assurer sécurité moun kap viv nan quartier défavorisé yo, mais tout faut gagne sanction qui prend compte tout policier qui a protégé Jimmy Cherizier alias Barbecue. Et Jean-Christ Noël Prophète, Vision 2000. Il y a un secrétaire d'État sécurité publique, la Tacite Simon, qui promet pour traquer coalition bandit qui est le G9 en famille à Kalia, une structure qui pourtant les Gennadan chef gang qui proche pouvoir en place là, selon plusieurs organisations qui ont défendu mon secrétaire d'État sécurité publique, la parler de plusieurs rencontres, surtout avec le commandement PNHA, ou état-major force la médaille sur question ça, côté précision. Ça, c'est un bail qui concerne la sécurité publique, effectivement. Mais sécurité publique seulement. La police doit impliquer à 100% dans
causé G9 ça. Et faut dire que nous travaillons en pile dans CSPN, nous faisons en pile réunion pour nous voir comment nous sommes arrivés à terme à problème ça. En dehors de réunion que fait dans CSPN, nous-mêmes comme secrétaire d'État, sécurité publique, nous chita en pile avec au état-major Fonds Armées d'Haïtien, nous chita avec le commandement de la police, nous chita avec le ministre de la Justice, non? Et pour ne pas dire même trop, très souvent, nous chita, on a discuté sur la situation. Ça, ça me dit que nous avons travaillé, nous avons un avion pas trop lointain, nous avons arrivé à limiter à modifier ça dans le pays. Si au bon équipe bandit qui dispose de mettre ensemble, pour déposer des armes pour faire la paix, c'est une bonne chose. Mais nous faisons contrer pour nous. Mais pourquoi? Nous sommes capables de connaître qu'il y a mis des armes à terre, il y a réuni pour mettre des armes à terre pour faire la paix. Et pourtant, nous cassons mobiliser à mobiliser. C'est grandir à grandir. Donc nous-mêmes, nous allons au-dessous de l'affaire pour nous voir comment que madame forme dit nous tout que nous gagnons un système de renseignement qui a travail. Nous rentrons dans plusieurs dossiers. Nous faisons un pire filtration, une impression de la justice nous dit ça. Donc nous avons gardé comment nous n'avions pas trop longtemps. La parole est là, Hans. Dossier déportation Toto Constant. Réaction, directeur exécutif bureau avocat international, le maître Mario Joseph, qui dit il était à Tony, Emmanuel à Toto Constant. DCPJ était accueilli hier mardi à l'aéroport international Toussaint Louverture. Il était prêt à le présenter devant le tribunal criminel de Gonaïve. Maître Mario Joseph fait qu'on est ancien commandant, organisation paramilitaire Frappe-là, qui était condamné par Koutouma Sabou Massacre Raboto en 1994, li pas capable de bénéficier principe prescription peine à cause d'été en cavale. Selon responsable BAIA, qui dit les personnes rete quoi victime massacre Raboto yo a pas joindre réparation. Côté précision, maître Mario Joseph, Namiko Marie, Lucie Bonamopa. Moi, commencer travail dans dossier ça, un gros dossier qui traverse le temps, jusqu'à une journée à poster à l'année 2000, 20 ans après, comme si nous avons commencé, nous avons fait tout. C'est bon dossier, nous avons fait un peu la dame. C'est bien plus la monsieur Sayo, qui était retourné déjà en Haïti, mais c'est tombé dans la prison. Nous voulons parler du colonel Caldo Elien, du colonel Jean-Claude Verval, qui s'est mouru, qui vient de passer là. Donc c'est un dossier qui est toujours ouvert devant nous, et nous sommes toujours victimes de la Botoyo. Il y a plein d'argent de réparation, même si ça fait 20 ans, 30 ans, il y a besoin de l'argent de réparation. C'est semblé. Je vous dis à nous sur route pour nous venir qui soit. Parce que non seulement pour ton constant, c'est Jean-Aubert, Gabriel, qui n'a pas état-major, l'armée, pour ne pas taper les gouvernements, pour les PHP, pour les prières, ne va dire rien, comme si de rien n'était. Et un criminel, un condamné, et il va sanctionner rien pour lire ce petit ambassadeur. Qui ça qui doit être fait au regard de la justice après retour Emmanuel Toto Constant dans le pays d'Haïti? Dans l'article 366, il a crié bon, moun qui condamne par coutume, arrêt cassation n'a pas concerné moun taille. Parce que, il a dit comment pour procéder, il a arrêté, il a pas besoin d'arrêter, même avec ordonnance, tombé avec jugement, il a arrêté, ou bien tout le même, il a choisi, il a un jugement qui se et il n'y a pas là, pour raison quelconque, et bien il est venu, mais il faut être sûr, allez. Mais dans le cas de l'autocostant, et ces gens nous demandent dans l'aide, ils ont été criminels. Que ce soit BAI, les mêmes pour continuer, ou bien BAI avec RNDH, donc c'est 8 moments pour le ministre de l'Institution, c'est de procéder, c'est toutefois, et de t'a déporté, et de te constater.